Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une recette de petits poulpes en sauce accompagnée de riz pilaf, une recette de restaurant, de gastronomie, facile, rapide, économique et surtout prête en 10 minutes. Pour cela, on aura besoin d'un kilo de petits poulpes déjà nettoyés et lavés soit par le poissonnier, soit vous achetez directement en surgelé. Je les mets dans une cocotte minute et je couvre d'eau. Et je ferme la cocotte bien sûr sans sel pour une cuisson d'environ 12 minutes après ébullition de la cocotte. Dans une poêle à côté ou dans un faitout, je mets un petit poivron rouge coupé en petits dés, 3 gousses d'ail finement hachées avec quelques feuilles de persil et 3 gros oignons finement hachés. J'ajoute 2 cuillères à soupe d'huile, un cube de bouillon goût poisson, comme on peut utiliser le poulet également. Je mélange le tout et je laisse mijoter à petit feu pendant 2 à 3 minutes avant d'assaisonner. Comme vous voyez, j'utilise pas les tomates. Je les ai remplacées par du poivre rouge. Là, j'ai une belle cuillère à café d'épices poisson, de paprika, une pincée de cumin, une pincée de poivre blanc, une petite pincée de sel. J'ajoute les épices. À mes légumes, je mélange bien et je laisse mijoter toujours à petit feu. Vous voyez, c'est vraiment appétissant, même sans tomate. Après, j'ajoute 2 belles cuillères à soupe de sauce ketchup qu'on peut remplacer par une cuillère à café de concentré de tomate ou une sauce pizza. Je mélange bien, puis je mouille avec 2 belles louches de fond de poisson ou de l'eau de cuisson des poulpes. Donc là, les poulpes étaient déjà cuits. J'ai ouvert la cocotte et j'ai pris 2 louches pour mouiller ma sauce. Je laisse la sauce bien cuire et réduire à petit feu, comme vous voyez. Là, directement, j'incorpore mes petits poulpes que j'ai déjà égouttés et coupés en 3 ou 4 selon le volume. Je mélange bien. Et je laisse mijoter maximum 2 minutes, juste le temps que les ingrédients se mélangent entre eux. On peut ajouter à cette étape-là une pressée de jus de citron si vous le désirez. Sinon, vous pouvez laisser directement comme ça. Pour le dressage, je sers directement le poulpe dans une assiette plate. Je l'accompagne d'une boule de riz pilaf cuite dans l'eau bouillante salée. Et je décore avec un peu de persil haché. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao!